je voulais vous parler d'un dernier truc. On se lâche en mode bocaux. Alors, apparemment, Carla qui parle aux blogueurs, Carla qui avait donné la vidéo de moi ou, à Mykonos, à des blogueurs, Patin Koufa. Je vous explique, je n'y crois pas une seule seconde. Moi, vous me connaissez. Et vous savez que je suis amie qu'avec des vraies personnes. Et si Carla, c'est mon amie, c'est que je sais qu'elle ne fait pas des trucs comme ça. Donc, j'y ai même pas pensé une seconde. Même pas. J'ai même pas eu un gramme de doute qu'elle ait fait ça, qu'elle ait envoyé ma vidéo. Bonjour. Qu'elle ait envoyé ma vidéo à un blogueur. J'y crois pas. Quand vous dites qu'elle elle vend, elle donne des scoops, elle raconte, c'est pas vrai. Carla, elle n'est pas comme ça. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a pas besoin de ça dans sa vie. À quoi ça lui servirait? Je comprends pas. Je comprends pas toute cette tâche. Tout cet acharnement sur elle, en fait, je sais pas, elle va se marier, elle a un enfant, elle a pas le temps de faire des trucs comme ça. Pourquoi vous lui inventez des vies comme ça à dire qu'elle vend des trucs aux blogueurs? Mais moi, Carla, je la connais très bien et c'est mon amie très intime. Et jamais, et je vous le dis, jamais au grand jamais, elle serait capable de faire quelque chose comme ça. Elle sait surtout que nous, on signe des contrats d'exclus et qu'on n'a pas le droit de faire ça, c'est interdit. Faire ça et on va pas, on sait que nous on fait tout pour que le programme fonctionne et jamais de notre vie on va spoiler un programme, jamais on veut que vous nous suivez à la télé pour voir ce qui s'est passé en tournage et c'est interdit pour nous de faire ça et Carla elle a pas que ça à faire comme ça et moi je vous fais confiance les yeux fermés et franchement arrêtez de croire les gens qui disent que Carla elle vend les sous, je vous le dis et je peux le jurer sur tout ce que j'ai de plus cher que c'est complètement faux et que j'y crois pas une seconde et que j'ai zéro doute sur elle. Elle s'en fout, elle a pas que ça à faire et ça lui a pas. Le pire c'est que si elle ferait ça, c'est quand tu fais quelque chose, c'est pour ça que t'apportes quelque chose dans ta vie. Mais si elle fait ça, c'est nul puisque elle spoil le programme et après les gens ils vont plus regarder. Donc c'est débile. Donc elle a aucun intérêt à faire ça et elle est pas comme ça, elle s'en fout, elle a pas que ça à faire à parler aux blogueurs. Au contraire, elle refuse des interviews. En mettant vraiment l'acharnement comme ça sur elle, ça me dégoûte. J'ai 3 heures à tuer, c'est pour ça que je suis en beaucoup avec vous. Du coup, je vais dire à Marine de me faire le bisseur. D'abord, j'aurais